Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo avec tous mes produits terminés, tous les produits que j'ai finis. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et avant de continuer, je vais vous montrer un petit peu Léo, mon chien, mon petit chien que j'ai eu. Donc maintenant il a 3 mois, donc je voulais vous montrer comment il a grossi. Alors, je vais avoir du mal peut-être à le porter. Alors je vais peut-être simplement vous baisser la caméra et de vous le montrer comme ça. Voilà, donc là je vous présente Léo. Voilà, mon petit pépère qui est super mignon, qui est super gentil. Il est très affectueux et il boude. Il boude beaucoup parce que c'est un chien qui a toujours faim et qui ne pense qu'à manger. C'est terrible. Voilà, donc je vais peut-être essayer de. Voilà. Il est adorable, comme tous mes bassets. Mes bassets sont tous très 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 gentils. C'est des chiens vraiment très affectueux. Ils ont juste un gros problème avec la nourriture. Ça, c'est comme ça. Un petit Léo. Hop, je viens, je te porte. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est mon gros Léo. Voilà, c'est un gros bébé. Vous voyez comme il a grossi? Donc là, il a 3 mois. Hein, il n'est pas très courageux, il a peur parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on porte. Voilà. Mais il est vraiment, c'est un chien qui est adorable. Je l'aime beaucoup. Je vais vous le remontrer, bougez pas. Léo, coucou, tu dis bonjour? Léo! Bonjour. Voilà, Léo. Coucou. Voilà mon petit chat qui est très 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 gentil. Voilà, c'est un amour. Voilà les filles. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tous les produits terminés. Alors, je vais commencer par le produit de chez Durance. Donc, c'est un gel hop, qui se présente comme ça, un gel nettoyant pour les mains que j'ai acheté dans une jardinerie. C'est du savon de Marseille liquide et ça sent le citron et le gingembre. Donc, c'est un produit que j'ai bien aimé. C'est pas un produit que. Enfin, je l'ai aimé, mais pas plus que ça. Il sent bon, mais. Voilà, je crois qu'il coûtait plus de 6 euros, quelque chose comme ça. Et bon, il y a quand même un gros flacon, donc c'est assez agréable, mais c'était pas un gros coup de cœur. Ça sent bon, ça sent très bon, mais c'est pas un gros coup de cœur. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai terminé ma Vita Liberata de chez de Vita Liberata. Donc, c'est un auto-bronzant pour le visage, pardon, pour le corps. Et c'est. En fait, c'est une mousse auto-bronzante. C'est vrai qu'elle va vraiment, elle va vraiment faire son effet, elle va vraiment teinter le corps. Mais il ne faut pas en mettre trop souvent parce que sinon vous avez beaucoup de taches en fait au niveau des coudes. Et c'est un petit peu ce que je lui reprocherais. Mais sinon, c'est assez efficace. Si vous avez envie de vous en mettre un petit peu avant une soirée, vous allez être bronzé rapidement, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, je l'ai déjà racheté, mais c'est vrai que bon, je sais pas, c'est un produit que je rachèterai, je pense, mais que j'utiliserai moins souvent, je pense. Voilà. Ensuite, de chez Clinique, j'ai mon petit doudou qui. Donc, de chez Clinique, un savon liquide doux, Léo, un savon liquide doux de Clinique. Ça, c'est pour ma fille. Je le rachète tout le temps parce que c'est le soin de jour de ma fille. Elle se nettoie toujours le visage avec. Et je trouve que c'est un très bon produit quand vous avez des imperfections. Les produits de chez Clinique, les 3 temps de chez Clinique, je trouve qu'ils sont très 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 bien. Et donc là, pareil, elle a terminé la petite émulsion hydratante qui est important vraiment quand on utilise les produits de chez Clinique. C'est important surtout les 3 temps parce que la lotion est à base d'alcool. Donc ça permet de réhydrater la peau et donc c'est vraiment un indispensable. Sinon ça va vraiment trop vous assécher la peau et donc c'est important de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc je le rachète à chaque fois.
Ensuite, de Bioderma, c'est un petit dissolvant qui se présente comme ça, que j'ai bien aimé, franchement. Hop, que j'ai bien aimé. Il est sans acétone et on le trouve en grande surface. Donc, quand je n'ai plus mon dissolvant de chez Mavala et que j'ai pas le temps d'aller en racheter, c'est vrai que c'est assez pratique et je trouve qu'il est assez il est efficace. Donc, quand je peux le racheter, je le rachète. Il n'y a pas de problème. Hop. Ensuite, donc de chez Nuxe, le gommage pour le corps fondant exfoliant qui sent c'est à la fleur d'oranger. Vous avez des grains qui sont assez gros à l'intérieur, donc moi je l'aime beaucoup ce produit. Attendez, bougez pas, je reviens. Je suis allée fermer la fenêtre parce qu'on n'entendait rien du tout. Voilà, donc c'est de chez Nuxe. C'est un gommage pour le corps. Donc les grains sont assez gros. Donc moi j'aime beaucoup. Franchement, j'en ai d'autres avec des grains plus fins. Mais là, quand j'ai vraiment besoin d'exfolier ma peau, même pour mon mari qui a vraiment pas mal de points noirs dans le dos des fois. Et donc je lui exfolie bien le corps avec ça, et vraiment, ça c'est un produit que je rachète sans problème. Voilà, je suis en train de me faire manger les doigts. Ensuite, de chez Colgate, un soin complet pour les dents. Donc, de chez Colgate, il est bleu celui-là, vous voyez, et il est sans alcool. Donc, c'est un produit que j'ai bien aimé, que je rachète aussi régulièrement. Sans problème, hein, j'aime bien ce petit produit. On le trouve en grande surface, donc aucun problème. Ensuite, j'en ai vraiment beaucoup, de chez Sisley. Donc, une lotion comme ça de chez Sisley, qui est sans alcool, une lotion florale. Donc, celle-là, je ne la rachèterai pas parce que j'ai aimé ce produit. Il sent très très bon, il n'y a aucun problème. Ça sent bon. Par contre, le prix est vraiment excessif. Il est vraiment très cher et moi j'utilise déjà celui de chez Dior qui sent très bon aussi, qui est à la rose. Et en fait, j'ai pas vu vraiment de différence entre les deux. Donc voilà, donc j'ai pas tout. Par rapport au prix, je trouve que je vois pas pourquoi il coûte aussi cher en fait. Voilà. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Hop, ensuite. De chez donc Biotherm, je vous ai fait ma vidéo je vous ai fait ma vidéo produit favori. Donc j'ai terminé donc la Biotherm de chez Biotherm. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage qui est hydrominérale mousse adoucissante. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'ai racheté. C'est la troisième fois que je le rachète, que j'utilise pas tout le temps parce que ça m'assèche la peau, mais qui est très bien et il est super. Voilà, mon petit démaquillant de chez Sephora. Donc j'alterne entre celui-là et puis celui de La Roche-Posay. J'aime les deux. Je préfère celui de La Roche-Posay parce qu'il est plus le démaquillant biphasé de La Roche-Posay est moins gras. Donc c'est vrai que quand je porte mes lentilles, que je veux me démaquiller pour aller à la piscine, même celui-là est très bien. Hein, j'utilise les deux, mais c'est vrai que je préfère l'autre. Mais il est très bien. J'en rachète aussi. Il n'y a pas de problème. Hop. Ensuite de chez Enécolor, voilà, en fait c'est un masque, enfin c'est un baume pour les cheveux qu'on utilise après le masque. Donc il faut bien s'essorer les cheveux et après appliquer ce produit. Donc ça permet de pouvoir espacer en fait les couleurs. Donc c'est un produit qu'on trouve, enfin moi je le trouve chez Leclerc, et on m'a déjà posé la question plusieurs fois vous voyez, il est rouge, mais en fait c'est pour les cheveux bruns. Et je sais pas où le trouver à part chez Leclerc. Et je sais qu'il n'y en a pas dans tous les Leclerc, donc je sais pas. Moi j'ai la chance, je trouve chez Leclerc sans problème. Et c'est un produit qui est suivi, mais après dans d'autres magasins, je ne le trouve pas, je sais pas. Voilà. Mais c'est un produit que j'aime et que je rachète tout le temps. De Bourjois, vous avez un petit dissolvant qui se présente comme ça. Je l'aime bien ce petit dissolvant. J'aime bien en fait son flacon. Donc on appuie dessus et puis le produit sort. Il est moins efficace que Mavala ou que celui que je... Aïe. Ou que celui de Diadermine, celui-là.
mais je trouve un petit peu plus gras et je trouve que voilà, c'est plus hydratant en fait pour les ongles et de temps en temps j'aime bien l'utiliser. Par contre, il est plus cher, je crois qu'il est pas loin de 10 euros donc voilà, mais je le rachète quand même parce que je l'aime bien. Ensuite, de chez Desange, un masque pour les cheveux de Desange. Alors celui-là, j'utilise depuis des années. J'en ai deux. J'ai celui de chez Clorane, que j'utilise assez souvent. Et celui-là, c'est vrai que quand je suis très pressée, j'aime bien l'utiliser parce que vraiment il démêle très très bien les cheveux. Et moi, comme j'ai les cheveux vraiment longs et très épais, j'ai besoin de quelque chose qui me démêle les cheveux rapidement. Et celui-là, ça c'est vraiment super efficace. Voilà, j'aime beaucoup ce masque pour les cheveux. Voilà. Ensuite, de Body Shop, donc mon gel douche à l'amande qui se présente comme ça. Je l'adore. Il sent merveilleusement bon. Oh, j'adore cette odeur, franchement, je me lasse pas. J'en ai acheté plein et quand il n'y en aura plus, j'en rachèterai parce que franchement, j'aime énormément cette odeur. Voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher, je vous l'ai présenté dans mes favoris aussi, c'est mon petit auto-bronzant. Je l'aime beaucoup. Bon, ça va vous donner. C'est sûr qu'il n'est pas aussi efficace que l'auto-bronzant que je vous ai montré tout à l'heure. Mais l'effet est quand même plus naturel et il ne va pas laisser des traces en fait sur les coudes comme l'autre. Et il y a des petites particules nacrées dedans. Donc au soleil, c'est vraiment très joli. Au soleil, c'est vraiment très joli. Et voilà quoi. Par contre, j'aime pas son odeur. Franchement, j'aime pas. Mais ça passe, hein, j'arrive. Ça sent. Il faut attendre que ça sèche par contre. L'autre sèche assez rapidement. Celui-là, il faut vraiment. Moi, je me mets un petit pareo, je me maquille et en fait, je m'habille après parce que sinon. Voilà, sinon il est collant. Mais bon, il faut attendre que ça sèche et il est nickel. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté plein de fois. Ensuite, la petite lotion de chez Clinique. Donc, ça, c'est pour ma fille toujours. Donc, elle utilise les trois temps de Clinique. C'est un très bon produit. Bon, elle est jeune, elle a 13 ans, donc forcément, elle a des problèmes de peau, elle a de l'acné, mais quand même, pas tant que ça. Je trouve que ça commence à aller mieux. Bon, je l'ai emmenée chez le dermatologue et donc il lui a prescrit en plus une pommade. Et puis, de toute façon, elle a trouvé que les produits étaient très bien. Elle m'a dit de continuer. Et c'est vrai que c'est des produits qui lui vont bien. Voilà. Et je lui ai acheté en plus un hydratant pour le visage pour éviter qu'elle ait une peau qui se dessèche trop. C'est un produit que je rachète tout le temps pour ma fille. De chez Nuxe, la crème fondante raffermissante de Nuxe. Alors, moi, je l'ai utilisée en crème de nuit, hein, et je ne l'ai pas utilisée tous les soirs. Donc, je ne peux pas vous dire si ça a vraiment un effet anti-âge ou raffermissant. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré cette odeur. J'ai adoré cette odeur. Donc, je la rachèterai sans problème. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon, j'aime beaucoup cette gamme de produits de Nuxe. Ils sont super. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'est un produit que je rachèterai sans souci. Un autre produit pour les cheveux, un masque au sérum protecteur de L'Oréal. Voilà. Et c'est un produit que j'ai bien aimé aussi. Pas au début, je ne l'ai pas aimé, mais après, au fur et à mesure où je l'ai utilisé, j'ai aimé ce produit. Je trouve quand même que celui de chez Desange démêle mieux les cheveux, mais j'ai bien aimé ce produit aussi, sans problème. Mais par contre, je préfère celui-là. Je préfère utiliser celui-là et celui de Clorane qui est très bien. Voilà. Mais bon, je l'avais acheté pour l'essayer. Hop, j'en fous partout. Ensuite, mon démaquillant de chez Clinique qui se présente comme ça. C'est un démaquillant pour les yeux et pour le visage. Je l'utilise que pour le visage parce que je trouve que ça graisse assez. C'est assez gras en fait comme produit. Ça démaquille très 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 bien les yeux. Moi, ce que je fais pour économiser le produit, je me démaquille avec du biphasé sur les yeux de La Roche-Posay ou de celui de chez Sephora. Et après, pour terminer, pour être sûr de bien tout avoir enlevé, j'utilise ce petit produit. Voilà.
Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il coûte un petit peu cher, mais il est très efficace et je l'utilise que pour les yeux en fait. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, de chez. Donc là, c'est un produit de chez Dorian. C'est des petites gélules auto-bronzantes. Pareil, ce sont des produits que j'utilise tout le temps en été. Avant, au printemps, je commence au printemps, donc pendant 2-3 mois. Et ça permet en fait d'avoir un petit teint. Allez, c'est auto-bronzant, mais. Enfin, je veux dire, ça va pas être miraculeux non plus, il ne faut pas non plus rêver. Mais c'est vrai que si vous allez à la plage, ça vous permet déjà de préparer votre peau au soleil. Mais par contre, il faut quand même utiliser des produits bronzants, hein, c'est important. Voilà, donc c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise tout le temps. Et ça permet aussi de prolonger en fait le bronzage. Voilà, donc un produit que j'aime bien et que j'utilise tous les ans. Voilà. Deux Mixa, un petit baume hydratant intense pour les peaux sèches qui est un petit peu teinté, donc pour les peaux mates à foncer. Donc ce produit, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il hydrate bien. Ça sent bon, ça sent le bébé. Moi j'aime bien ce petit produit. Et voilà, donc ça, celui-là aussi, c'est pareil. J'ai déjà acheté plusieurs fois et j'aime bien l'utiliser. Hop! Ensuite de La Roche-Posay, donc voilà, c'est mon petit démaquillant préféré pour les yeux. Il est biphasé, il démaquille très bien le maquillage waterproof. Voilà, donc celui-là, bon, je vous l'ai montré plein de fois, je l'utilise tout le temps, je le rachète. Il est un peu plus cher que celui de chez Sephora, mais voilà, moi comme je porte des lentilles, c'est moins gras, donc je trouve qu'il est aussi efficace, mais il est un petit peu moins gras. Voilà. Donc je préfère ce produit. Donc je rachète tout le temps. Voilà. Ensuite un parfum. Donc là je vous montre que la boîte parce que de Diesel. Aïe, celui de chez Diesel. On lit de. Enfin, je vous montre la boîte qui se présente comme ça. C'est un parfum qui sent très très bon. C'est un parfum pour homme. C'est le parfum de mon mari qui l'a terminé. Et j'ai beaucoup aimé cette odeur. Je ne sais pas s'il la rachètera parce qu'il aime bien changer de parfum. Mais j'ai aimé beaucoup ce parfum. Je trouve que ça sent vraiment très 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 bon. Voilà. Ensuite de L'Oréal. Non, de Garnier, pardon. Une brume auto-bronzante pour le corps qui se présente comme ça. Alors personnellement, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que c'était très efficace. Donc je la rachèterai pas, pas du tout. C'est pas un produit que j'ai aimé. Ensuite, un autre de Nivea. Cette fois-ci, je voulais essayer les deux. Donc un auto-bronzant pour le corps. Une brume auto-bronzante, donc pareil, c'est pas un produit que j'ai trouvé très efficace. Donc en plus, il coûte quand même 10 euros. Voilà, donc moi j'ai pas adhéré, donc je ne rachèterai pas. Excusez-moi pour mon téléphone. Et ensuite de Nivea, un lait pour le corps, un lait de douche pour le corps de Nivea qui se présente comme ça. C'est un produit qui est pas mal. Il est pas, moi je trouve pas qu'il soit hydratant. Enfin, moi j'ai l'habitude de tout le temps d'utiliser des crèmes hydratantes pour le corps. Donc, pour les personnes qui n'ont pas besoin de grosse hydratation, c'est pas mal. Ça sent bon. Voilà, après, je sais pas, j'avais envie d'essayer. Ouais, je sais pas, je peux pas vous dire, c'est pas mal, mais. Je préfère d'autres produits. Voilà. Et puis un dernier produit. Ah si, deux derniers produits. Donc, Capteur Total Yes Essentiel pour les yeux, le contour de l'œil. Voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'il. Non, il est plus. Hein, ils le font plus. Pour les yeux, ils le font pour le visage, mais plus pour les yeux. Enfin, ils ont sorti un autre produit. Donc, moi, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé de Dior et je l'ai utilisé pendant longtemps et je l'adore. Voilà, je trouve, c'est un sérum en fait pour le contour de l'œil. J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà. Et voilà. Et un
produit un eyeliner de Make Up For Ever. C'est un Aqua Black de Make Up For Ever. Mais moi, je m'en sers de eyeliner. J'adore ce produit. Je l'utilise. J'en ai racheté un autre. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Et je trouve qu'il a une bonne tenue. Il a une très bonne tenue. Il est waterproof. Enfin, je n'ai pas la piscine avec. Hein. Enfin, quand il fait très chaud, il tient très bien. C'est ce que j'ai mis sur les yeux. Voilà. Donc, il fait bien son travail, c'est un produit que j'adore, que je rachète. Et pour terminer, de MAC, mon petit crayon à sourcils de chez MAC. Donc là, ça se présente Velvetone. Donc c'est la Velvetone. Moi, je l'ai hop, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Velvetone, voilà. Donc c'est un tout petit crayon, il est noir. Et en fait, c'est un crayon qui est rétractable. Donc je l'ai déjà racheté. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que justement il a une mine qui est très fine, donc ça permet de refaire les sourcils avec précision. Donc ça, je le trouve super. Il n'a pas, en fait, par contre, le seul problème, enfin, il n'y a pas de problème, c'est un produit qui est génial, mais il est pas, il dure pas longtemps. La mine, il est rétractable, donc c'est super, donc on peut remonter la mine. Par contre, il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Hein, moi, il me fait 6 mois et il faut que je le rachète. Voilà. Mais c'est un produit que j'aime bien racheter parce que j'aime bien ce crayon qui est plus fin. J'en ai un autre de chez Dior, mais la mine est plus grosse, donc moi, je préfère travailler avec des crayons plus fins pour les sourcils. Voilà. Voilà pour tous mes produits favoris mes produits terminés du moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Léo. Léo. Comment, Léo? Bah, comment on fait pour descendre? Bah, je sais pas comment faire de descendre. J'ai envie de descendre, mais je sais pas comment faire. Léo. Coucou. Bah, j'ai bout.